Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un plaisir d'être devant vous pour vous présenter un nouveau numéro où nous allons parler aujourd'hui de l'environnement. Nous allons parler de l'environnement et puis nous allons essayer un peu de parler de notre constitution toujours. Nous ne nous écartons pas sur les sujets que nous débattons ici. Nous, ici, nous militons pour le changement de cette constitution. Nous débattons ici pour que, finalement, les autorités à Kinshasa puissent comprendre que cette constitution dans laquelle nous sommes ne cadre pas avec ce que nous vivons aujourd'hui. Nous nous battons pour que cette constitution soit changée et que le débat ou bien la conversation du changement de constitution puisse déjà commencer pour qu'en 2023, nous puissions entamer une nouvelle république ou entrer dans la 4e république. Ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que nous prenons les articles de la constitution et nous les mettons sur table et nous voyons ce qui se fait à Kinshasa ou bien dans la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Est-ce qu'il s'écarte de la Constitution? Est-ce que ce que nous sommes en train de faire cadre avec la Constitution? C'est ça que nous débattons ici. Et dans tout ce que nous avons fait depuis le début, nous avions expliqué pourquoi cette Constitution doit être changée. Aujourd'hui, nous allons aller dans l'article 201, 202 et 203. C'est ça qui cadre avec ce que nous allons parler aujourd'hui, donc l'environnement. Surtout, l'accent est mis ici sur Kinbopeto. Pourquoi Kinbopeto? Parce que nous avions été invités aussi à un débat qu'a organisé sur Twitter, par La Lucha. Et nous avions été une cinquantaine de personnes, je crois nous étions à peu près une 60 personnes. Et l'invité qui était de marque était M. Mpundu Bobanza Germain, qui est mon homonyme, avec qui nous avions été un peu, donc nous avions eu échangé de paroles, peut-être qui l'ont blessé. C'est ici où je demande vraiment de m'excuser parce que nous nous sommes emballés dans des émotions, parce que ce qu'il disait ne cadrait pas vraiment dans ce que nous avions vu. Et il a promis à ce qu'il va revenir encore pour que nous puissions vous expliquer. Et puis, j'appelle aussi les gens ici que demain ça sera dimanche le 19, nous aurons une émission live où ça sera la suite de cette émission d'aujourd'hui. Et j'aimerais à ce que les gens qui vont me suivre aujourd'hui qu'ils puissent prendre rendez-vous, à ce que vous puissiez venir sur Facebook où nous serons live pour nous vous expliquer effectivement pas à pas. Parce que là, nous lirons même les articles de la Constitution qui sont contradictoires, qui mettent de la cacophonie dans la gestion de notre pays. C'est ainsi que aujourd'hui, tout simplement, nous allons parler un peu de Bopeto. Pourquoi est-ce que ce projet ne peut pas réussir? Pourquoi est-ce que les efforts qui sont entrepris, tout ce que les gens vont faire, ça ne réussira pas tant que nous ne serons pas clairs dans nos textes? Les gens qui sont venus ne comprennent pas peut-être dans nos textes. Et nous allons élucider la cacophonie ici qui fait à ce que tous ces projets-là ne puisse pas aller de l'avant. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après. Si les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet, nous commençons par election-net.com. Ituri, trois personnes meurent calcinées à Arou. Et puis à RDC toujours, Grand Lac, voici pourquoi le président Tshisekedi va rencontrer Paul Kagame en Jordanie. Et puis pour insolvabilité, que Kenya Airways récupère ses trois avions en lice au Congo. On va sur actualité.cd.
qui Kambove Mining soumission pour les achats d'un séchoir flash. Et puis, nommé représentant spécial adjoint du secrétaire général coordinateur résident et humanitaire, Bruno Lamarquis succède à David McLachlan Carl. Accident sur le pont Maindombe, le gouvernement dépêche le vice-ministre de l'Intérieur au lieu du drame. Un rapport est attendu. On va sur Congo profond. Numérique, Eberhard Kolongele au sommet de chefs d'État et de gouvernements d'Afrique sur la cybersécurité. Kasumbalé, sa trace traque sans merci des agents fictifs de l'État au couloir. On va sur 7 sur 7. Le président Tshisekedi de retour à Kinshasa. Et puis, polémique sur le juge naturel d'un ancien premier ministre. Voici la position du bâtonnier national Matadi Wamba. Et puis, l'ex-premier ministre Matata Ponyo se transmet au procureur une lettre sur la fin des poursuites initiées contre lui. On va terminer par Radio Okapi, ville morte à Kindu. L'exécutif salue la maturité de la population, société civile et félicite de sa réussite. Catastrophe à répétition à Bukavu. Un député plaide pour un plan d'urbanisation de grandes agglomérations. Merci. On se revoit dans une nouvelle émission. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité est justement focus, donc l'actualité est sur l'avènement ou bien le retour de notre président, notre cher président que nous supportons tous. Et nous vous avions dit pourquoi nous supportions ce président de la République aujourd'hui. C'est parce que nous pensons que c'est lui la voix officielle qui peut nous porter à la 4e République. Et la 4e République constituera... À changer cette constitution, à entrer dans une nouvelle ère où le peuple à la base pourra se prendre en charge. D'abord, avant que nous puissions aller un peu plus loin, nous allons vous balancer ce que a dit M. Pundu Bobanza Germain sur Kinbopeto, parce que c'est de là. Nous avions dit que nous prenons l'actualité, nous prenons les faits qui sont là, et puis nous allons dans la Constitution et voir où doit être apporté les changements. Suivons Germain, et puis nous allons revenir après pour vous dire ce que nous pensons de ce projet Kinbopeto. C'est faire en sorte que celui qui est dans le bus ne jette pas par la fenêtre. Faire en sorte que celui qui marche, qui a bu sa petite bouteille, jette un œil, un coup d'œil par-ci, par-là, pour voir s'il y a une poubelle. S'il n'y a pas, qu'il froisse sa bouteille, qu'il aille mettre dans sa poubelle à la maison. C'est ce combat-là qui est celui que le chef de l'État nous a confié, celui que le gouverneur nous a confié le 19 octobre 2019, pour ceux qui étaient à Bakaya, où le président a parlé de ce changement-là. Voilà. Quand nous parlons ici, je vais vous dire que nous émettons à partir de Johannesburg. Nous vivons dans ce pays, ça fait plus de 15 ans, plus de 18 ans, même 20 ans aussi, parce que nous faisons parfois des va-et-vient. Nous sommes arrivés ici, en tout cas, il y a longtemps. Alors, vous aviez entendu le monsieur qui nous parle du lancement du projet Kinbopeto par le président de la République. Le président de la République avait lancé ce projet. C'est lui qui a dit que bon, comment... nous voyons que quand nous allons maintenant dans la Constitution, ces compétences de réfectionnement, de la gestion des provinces à partir. Est-ce au gouvernement central? Est-ce au gouvernement provincial? Dans les articles 201, donc dans le... Excusez-moi, je vais essayer un peu d'aller un peu plus bas, un peu lire la Constitution ici. Ça, c'est la section 2 de la répartition des compétences entre le pouvoir central et les pouvoirs provinciaux. Donc, l'article 201 définit bien. Mais maintenant, où est le problème, mes chers amis? Le problème vient à ce que dans les quatre articles,
il y a trois articles. Dans la section, la deuxième section, la répartition des compétences entre le pouvoir central et le pouvoir provincial. Nous voyons qu'il y a des compétences qui sont données au pouvoir central. Donc, il y a à peu près une affaire de 27 compétences. Il y a combien ? Il y a à peu près 36 compétences. Et ces compétences-là sont les affaires étrangères, les règlements de commerce extérieur et toute une litanie. C'est bien cité. Nous les citerons lorsque nous serons live, parce que là, nous aurons beaucoup de temps. Nous vous expliquerons, nous vous citerons ça. Nous ne commentons pas sur cette constitution parce que nous ne sommes pas des analystes de la constitution, mais nous lisons parce que la constitution elle-même nous dit qu'il faut absolument que nous puissions la connaître pour qu'une meilleure application soit faite sur cette constitution dans la gestion du pays. Donc, l'article 202 donne 36 compétences au gouvernement central. Alors, l'article 303... 203 plutôt, il donne la compétence au gouvernement central et au gouvernement provincial. Ce sont des compétences qui peuvent être entreprises par la gouverneure, par le gouvernement central, ou soit avec en concomitance avec le gouvernement provincial. C'est là où est la base de nos dislocations. Donc, il n'y a pas de clarté dans la Constitution. Vous allez voir, le tourisme est pris, par exemple, par le gouvernement central, et ainsi autre aussi par le gouvernement central. Alors, qui sera responsable? Ça, c'est vraiment de la cacophonie. Et puis, dans l'article 204, maintenant, ça, ce sont les compétences provinciales. Il n'y a combien? Il n'y a que 25. Et dans ces compétences-là, est-ce qu'on cite les moyens qu'on donne aux provinces? C'est vraiment flou. Ce n'est pas défini dans cette constitution. C'est pour cela que vous allez voir, les choses sont telles qu'on ne sait pas exactement est-ce que c'est le province, est-ce que c'est la faute des provinces de ne pas contrôler les mines, est-ce que c'est la faute du gouvernement central. Parfois, vous allez voir les gens du gouvernement central quitter le gouvernement central, aller faire des inspections au gouvernement provincial, et puis il y a l'IGF qui sont là, on ne sait même pas. C'est ça la cacophonie, et c'est là que nous crions tous les jours qu'il faut absolument qu'il y ait changement de cette constitution. Parce que notre constitution ne définit pas la responsabilité claire du gouvernement central. Et nous, ici, nous nous sommes dit, nous devons aller à un certain dialogue. Ce dialogue-là, nous les avions appelé les états de lieu des territoires. Nous allons définir les compétences à partir des secteurs, à partir des groupements, à partir des territoires. Et les territoires, comme c'est là où nous trouvons notre peuple, nous pourrons discuter sur les compétences qui devront être prises par les autorités territoriales. Et ça sera leur responsabilité. Si quelque chose ne marche pas dans les territoires, c'est là où nous devrons poser la question à l'administrateur des territoires. Ces compétences ne relèvent pas du gouvernement central. Donc, on vous a donné les moyens, nous connaissons vos limites et vos responsabilités. S'il n'y a pas une route qui a été construite, s'il n'y a pas de taxes qui ne sont pas perçues, c'est à vous. Et c'est vous qui porterez cette responsabilité. Au lieu à chaque fois de commencer toujours à dire « Non, le président de la République doit tout faire, le président doit... » La Constitution ici, elle est floue, mais elle n'est pas connue. On nous avait dit, nous sommes partis dans les référendums en disant que non, ça c'est une belle constitution. Mais lorsque nous regardons là-dedans, l'application de ces articles ici, sur le plan, territorial, ça cause un problème. Mais la grande majorité, notre peuple ne connaît pas ça. Peuple nabiso toyebi makambo yote. On ne connaît pas. Ça n'a jamais été explicité. C'est ainsi que vous allez voir un administrateur qui est nommé comme administrateur de territoire, il ne connaît même pas ses compétences, il ne connaît pas. Or, les histoires de recensement, les identifications sont bien définies ici. Vous allez voir que c'est la compétence, parfois du gouvernement central et avec le gouvernement provincial, et c'est là la cacophonie. Alors,
Personne ne sait pas, est-ce que c'est moi qui dois faire ceci? Vous allez voir un gouverneur de province, avant de prendre une décision, il doit toujours se référer au gouvernement central. Entre-temps, les administrateurs des territoires ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est ça d'abord de la Constitution, le Kokoso Oe Outi, la Constitution. Les défaillances, comme on peut dire, de notre Constitution ici. C'est ça justement qu'on n'a pas pu expliquer, même aux administrés ou bien à l'État. Les gens qui sont en charge de l'État ne connaissent pas cette Constitution. Ils ne l'ont même pas. Ils ne pourront pas l'appliquer. Voilà. Maintenant, revenons sur ce que nous avions dit ici sur Kin Bopeto. En principe, c'est de la compétence du gouvernement provincial. Ce qui se passe à Kinshasa, c'est vraiment de la cacophonie. Pourquoi? Parce que vous aviez vu, le programme provincial de Kin Bopeto a été lancé par le président de la République qui n'était pas ses compétences. Ça, c'est d'abord sous la forme d'administration. Il y a cacophonie. Le Gentiny Ngobila a invité le président de la République à venir construire un marché. C'est parfois le président de la République qui est patron, qui disent que non, nous, c'est sous la comment dirais-je, le patronage du même dernièrement, lorsque l'armée en province, au Nord Kivu, a acquis les speedboats, comme on dit, les canons rapides, le gouverneur militaire a dit que c'était une dotation du président de la République. Donc la région ne peut pas faire ces histoires-là. Pourquoi la région ne peut pas faire ça? Parce que les avoirs, donc dans ses compétences, il ne peut pas, il n'a pas le moyen. Tous les moyens ont été octroyés. Quand vous lisez toutes ces compétences, les relèvements des impôts, la gestion des mines et tout ça, toutes ces histoires-là sont à la compétence du gouvernement central. Et donc, les divisionnaires qui sont en région ne peuvent pas répondre au gouverneur en disant que nous avons autant de mines. Les gouverneurs de province ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Ils vont se limiter pour percevoir des petites taxes de marché et tout ça. Cela ne peut pas lui permettre de construire des routes, de construire des maisons, de construire des... Ça ne va pas. C'est là où est la question. C'est là où nous devons réfléchir, mes chers amis. Et quand nous vous disons que non, cette constitution, elle ne peut pas s'appliquer dans la 4e République, vous êtes en train de nous dire, oh non, vous cherchez à prolonger les compétences du président de la République en lui donnant d'autres mandats. Non, nous cherchons à voir comment est-ce que la gestion du pays peut être rationnelle et puis praticable pour que les gens qui gèrent le pays puissent comprendre qu'est-ce que je veux faire, quelle est ma compétence, quelles sont les possibilités que j'ai pour que je puisse entamer les réformes ou bien que je puisse faire des grands projets en région ou bien... Et là, les compétences seront d'attribution de ceux qui sont en train de gérer. Le gouverneur doit répondre en fonction des moyens qui lui sont octroyés. Si on lui donne la compétence de percevoir des taxes ou bien de marchés et tout ça, est-ce que cela peut lui donner vraiment la force ou bien la capacité d'entreprendre des grands travaux, des constructions par exemple des routes ou bien d'addiction d'eau ou bien de percevoir les impôts miniers et tout ça? Tout ça doit être défini pour que le peuple, à la base, puisse savoir que les impôts que je suis en train de payer doivent contribuer à quelque chose. Alors, pourquoi est-ce que Kin Bopeto ne peut pas réussir? Pour revenir à notre sujet de base aujourd'hui, parce que nous sommes presque, nous allons épuiser notre temps. D'abord, quand vous regardez les compétences du gouvernement provincial, toutes ces compétences-là sont là, mais les provinces ne sont pas capables d'identifier qui sont les commerçants d'abord. Je me limite par ça. Les commerçants sont combien? Nous avons vu la DGRK en train de se battre. Les gens ne respectent pas, ils vont se plaindre que les gens ne payent pas les impôts et tout ça. Est-ce que les provinces ont le moyen à contraindre le peuple qui habite dans leur province
à dire, par exemple, que non, ils sont contraints de payer les taxes locatives, par exemple, les contributions sur la taxe locative. Est-ce qu'on peut contraindre les citoyens congolais? Est-ce qu'il y a moyen? Il n'y en a pas. Il n'y a pas moyen. Et c'est pour cela que les perceptions même que la DRGRK va faire au niveau de province, ça ne sera que minime. Et ça ne pourra pas lui donner les possibilités d'entreprendre les grands projets. Alors, quelle est la solution? Dans nos précédentes émissions, nous avions dit la solution, elle est unique. Il faudrait identifier. C'est pour cela, nous revenons toujours à notre solution que nous prenons ici, la solution de ces conférences-là ou bien de ces états de lieux de territoire où nous allons repartir à zéro. Et nous avions même demandé au président de la République, please fachito bandela à zéro. Ko bandela à zéro, ko zalandenge nini. Il faudrait que nous puissions recommencer à l'identification du Congolais en justement en nous disant, nous devons nous parler, nous Congolais, en nous disant, réécrivons cette constitution. Nous devons réécrire cette constitution pour que, au fait, le peuple congolais, à la base, puisse comprendre ses capacités. Il puisse comprendre comment est-ce que nous, à la base, nous pouvons contrôler le gouverneur. Quelles sont les possibilités de notre province, de notre territoire? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de route chez nous? Quels sont les projets que nous pouvons entamer au niveau des territoires qui doivent être des projets primordiaux qui fera à ce que notre économie dans les territoires puisse émerger? Ainsi, les territoires qui pourront se prendre en charge en disant quelles sont les possibilités? À mesure de dire, bon, voici ce que le gouverneur va faire. Nous, sur le plan quinquennal, voici le programme, voici comment est-ce que nous allons évoluer et nous pouvons maintenant faire des programmes de 10 ans, de 5 ans, même de 15 ans pour chaque territoire. Quels sont les problèmes majeurs de ce territoire? C'est comme ça que vous allez remarquer que dans ce que nous avions appelé notre projet de 145 territoires, nous avions défini en disant que lorsque les territoires vont se mettre sur table, sur une table ronde, dans des conférences que j'ai appelées les états des lieux de territoires, là sortiront les gens, la première des résolutions sera l'identification de ceux qui habitent ces provinces-là, ces territoires-là. L'identification sera faite comment? Comment est-ce qu'ils peuvent se dialoguer et se surprendre pour vivre ensemble? Et dire que non, voici nos économies, voici nos possibilités, voici comment est-ce que nous pouvons nous identifier, nous allons identifier, nos taxes seront payées comment? Comment est-ce que nous pourrons contraindre les gens qui vivent sur nos territoires à payer les taxes afin que les territoires puissent avoir le moyen suffisant pour entreprendre les grands projets? C'est ça justement que nous nous sommes dit. C'est ces conférences-là où sortiront des nouvelles textes qui constitueront la Constitution. Et ainsi ici, nous allons réfléchir.
qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles seront les responsabilités des territoires? Quelles seront les responsabilités des gens qui vivent dans les secteurs? Les chefs de secteur, notre administration va fonctionner comment? Nous les définirons et la base sera. Ça ne sera plus question de condamner chaque fois le président de la République s'il y a un pont qui tombe ou quoi que ce soit. Ça sera dans vos programmes. Ça sera dans le programme de chaque secteur, chaque localité, chaque quartier. Les gens pourront savoir quelles sont leurs compétences et ils seront conscients et la population comprendra. S'il y a un problème, ils sauront où est le problème, d'où le problème vient. Bandeko, Kinbopeto OS et Kouéchoué Kaka, pourquoi? Parce que ça n'a jamais été programmé. Ce programme-là n'a jamais été discuté, même au niveau gouvernemental. Et ça l'est maté. C'est pour cela que moi je me dis, tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui, sans que nous entamions vraiment des réformes sur notre constitution, et qui est ces états de liés, Batouba Solola, Batouba Vanda, Basolola, Batouba Vanda, pourquoi il y a des guerres? Quelles sont les responsabilités d'un chef coutumier? Quelles sont les... Par exemple, lorsque nous avons ici dans la section 3, les compétences des chefs coutumiers, vous allez voir que Basala Kailo comme côté, il n'y a rien dans leurs compétences. Lorsque vous allez dans la loi organique, vous allez voir que les compétences même des administrateurs des territoires ne sont même pas définies. C'est ainsi que tous les programmes qui viendront, même nous qui sommes à l'étranger, si nous arrivons, nous prenons nos valises, nous disons nous allons travailler au Congo, nous ne nous retrouverons pas. Parce que il y a de la cacophonie terrible et nous lançons un appel ici au peuple congolais, à ceux qui sont épris vraiment à ce que le Congo puisse marcher. Et je demande aussi à tous les diasporas, les gens qui veulent rentrer au Congo comme nous autres, de nous imprégner que d'abord, les changements que nous devons avoir, ce sont les changements qui doivent être clairs dans la Constitution. Nous devons entrer dans une nouvelle République. La République que le peuple congolais attend, c'est cette République-là, où les compétences seront définies. Il y a des gens qui viennent à l'Assemblée nationale, même les assemblées provinciales ici. Lorsque vous regardez leurs compétences, vous allez voir dans l'article 203, les compétences, parfois ce sont les gouvernements centraux, parfois c'est le gouvernement provincial, parfois c'est seulement le gouvernement. Donc il y a, vous ne savez même pas. Quand on destitue quelqu'un du gouvernement provincial ou bien on ne sait même pas, la Constitution ne nous dit pas à qui la responsabilité. Ainsi, le peuple est là, il ne connaît pas ses pouvoirs, il ne connaît pas ses compétences. Dans les provinces, il est difficile qu'on vous dise combien de mines sont là. Le gouverneur de province aujourd'hui n'a pas cette compétence de répertorier combien de mines sont là. Je peux peut-être me tromper, mais ce que je sais, c'est que tout est délivré à Kinshasa. Même les autorisations pour faire les mines, c'est tout. Vous allez voir quelqu'un qui quitte Kinshasa, il vient, il commence à creuser, il commence à faire sa carrière, et il vient vous dire que non, J'ai le certificat d'autorisation à partir de Kinshasa. Nous devons faire un effort à ce que nous puissions changer cette constitution et que la constitution que nous changerons, que nous mettrons en place dans la 4e République, soit discutée par le peuple. Et le peuple, c'est qui? C'est défini dans cet article 10. C'est ainsi. Pour terminer ici, je dis ceci. Les conférences ou les états de lieux de province n'est pas l'apanage du gouvernement central de Kinshasa. Les gens sont en train de me dire qu'il n'y a que le gouvernement central. Oui, le gouvernement central aujourd'hui, parce que le Félix a ce pouvoir, il peut proclamer en disant que en 2023, nous irons aux élections
Mais à partir de 2023 jusqu'à 2028, nous commencerons une quatrième république. Nous commencerons avec une nouvelle constitution que nous devons commencer d'abord aujourd'hui à discuter, à voir comment est-ce que nous pouvons rétrocéder le pouvoir au peuple. Et rétrocéder le pouvoir au peuple, c'est le peuple qui doit s'imprégner de cette constitution en disant « Nous nous sommes entendus, par exemple, sur la sécurité, sur notre police, sur notre fonction publique, sur l'administration. Les responsabilités doivent être octroyées à chaque personne. » Les gens qui sont en train de nous administrer aujourd'hui ne connaissent pas leurs compétences. Comment est-ce que nous allons redistribuer les compétences au peuple afin que le peuple puisse être à mesure de dire que non, ça ce n'est pas de ma compétence. Les mines par exemple, ce n'est pas de ma compétence. Et comment est-ce que je peux avoir le bénéfice de ces mines qui sont dans mon territoire? Comment, c'est tout ça que nous devons discuter. Et puis à ce moment-là, les projets qui sont entrepris par les provinces, ça sera que la responsabilité des provinces. Aujourd'hui, Kim Bopeto a été lancé par le président de la République. L'échec, c'est à qui? C'est au président de la République. Ce n'est plus au gouverneur de province. C'est le président de la République, finalement, qui a tout, qui gère tout, qui a tous les moyens, qui peut tout dire. Et c'est là, c'est très dangereux. Et c'est là d'où vient la cacophonie. Batubakobanga kalisusute. Les gens peuvent être en région et sont en train d'être caporalisés, travailler pour le président de la République, mais pas pour le peuple. Mais si c'était le peuple qui leur a donné, qui a été nommé par le peuple, c'est le gouverneur qui a été nommé par les comités provinciaux, ou bien l'administrateur des territoires qui doit être contrôlé par les assemblées territoriales en disant que voici le programme que nous avons parce que nous estimons que les richesses que nous pouvons mettre ensemble pourra faire ça, ça et ça. Et que toi, l'administrateur de territoire n'a pas pu. L'argent que vous aviez, le moyen qui vous a été donné, vous n'avez pas été à mesure d'entamer de projets, ou bien vous n'avez pas fait ceci et nous pouvons vous arrêter, nous pouvons... À ce moment-là, l'administré sera près de l'administrateur. Et ici, nous sommes en train aussi de rappeler au peuple congolais ce que nous allons germer, ce que nous allons construire. Mes chers amis, nous ne pouvons pas les copier de la France ou bien de l'Amérique ou bien de l'Angleterre ou quoi que ce soit. L'histoire, notre histoire, nous intellectuels, nous devons savoir qu'est-ce que les Congolais, quel est le modèle qui est approprié au Congo? Est-ce que c'est le fédéralisme? Est-ce que c'est la décentralisation? Quelle est cette forme de cette décentralisation que nous voulons avoir? Quelle est l'implication du gouvernement central? Est-ce que nous serons unitaires ou nous serons un pays fédéral? Et cela doit être discuté et les mécanismes pour y arriver devra être discuté par la population pour qu'en fait, à la fin des comptes, qu'on ne puisse pas venir avec d'autres histoires que non. En France, on fait ceci. Le Parlement français a fait ceci. Nous devons avoir nos propres Congolais. Quelqu'un m'a injuré en me disant que non, dans mes émissions, je parle Lingala et tout ça. Mes chers amis, si nous n'arriverons pas à parler notre langue, ici en Afrique du Sud, quand vous allez dans le bureau, les gens parlent Zoulou et ils vous disent en Zoulou, ils vous parlent, vous allez dans le banque, on vous parle en Zoulou, on vous parle dans leur langue, on vous parle Afrikaans lorsque vous êtes. Est-ce que c'est ça un problème vraiment? Mais nous, Congolais, je ne sais pas qu'est-ce que nous voulons. On s'injurie parce que quelqu'un ne parle pas bien français. Vous ne voyez même pas l'intellect que ce monsieur-là est en train de faire. Comment ses réflexions sont en train d'être guidées. Vous faites parce qu'il ne parle pas bien anglais, il n'est pas intellectuel. Ou bien parce qu'il ne parle pas bien français, il n'est pas intellectuel. C'est ça l'aliénation que notre grand frère Lou Boya nous disait. Il est difficile, mais il n'est pas impossible. Si nous appliquons, si nous nous attelons à changer cette constitution et que les compétences sont bien définies clairement, je crois que Kim Bopeto ne pourra pas avoir de problème. Cette histoire de marché, on ne sait pas si c'est le gouvernement provincial qui a financé ou bien c'est une dotation présidentielle. Si c'est une dotation présidentielle, est-ce que c'est l'argent qui quittera la présidence? Quels sont les revenus de la présidence? C'est pour cela que vous allez voir
tout converge vers le président de la République. Parce que le président de la République aujourd'hui est capable de dire que non, les mines d'or seront traitées au Rwanda. Et les gens qui sont dans les territoires de Walungu ne bénéficieront absolument de rien. Parce que Mokonzi est à l'obaki Blikambwango. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur l'environnement et la cacophonie que les textes ici sont en train d'instituer. Cette cacophonie est institutionnelle. Et nous prenons ici à ce que cette constitution puisse être changée et que le gouvernement actuel puisse entamer justement le changement de cette constitution. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui sont en train de s'abonner. Et je lance encore une fois de plus à mon homonyme Germain. Vraiment, je crois que vous aviez accepté mes excuses. Mes identifiants sont là, vous pouvez m'appeler, vous pouvez, si vous aviez aimé aussi, abonnez-vous aussi à cette émission, ou donner des suggestions, ou expliciter. Et si vous voulez avoir des vous voulez expliquer effectivement Kim Bopeto, pourquoi ça ne marche pas sur cette chaîne, vous pouvez nous appeler et nous mettrons les moyens techniques pour que nous puissions vous avoir live ou bien sur Zoom, puis nous balançons sur notre réseau ici. En tout cas, continuez à partager nos émissions. Nous espérons que ça va tomber dans les oreilles de quelqu'un qui des décideurs et que ces décideurs seront conscients de ce qu'il est grand temps à changer cette constitution. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.